Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la modélisation de la mascotte des JO 2024. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons utiliser deux images de référence. Une première image de référence que voici, qui nous aidera à pouvoir réaliser la forme générale de notre mascotte. Et ensuite, on va utiliser cette seconde image de référence. Qui nous aidera à mieux améliorer nos co-shading et également à peaufiner les détails de modélisation, qui ne sont pas forcément présentes sur la première image de référence. Sans plus tarder, on va passer dans Blender pour commencer. Dans Blender, nous allons tout d'abord commencer par configurer nos raccourcis clavier, nos préférences afin de pouvoir travailler de manière optimale. Dans Edit, on va aller dans les préférences. Et on va aller au niveau de Keymap. En général, dans mes tutoriels, je vais toujours travailler avec les raccourcis clavier des versions antérieures de Blender, notamment les versions euh, 2.7x en descendant. Mais ne vous inquiétez pas, les raccourcis sont presque similaires aux versions 2.8. Dans cette petite série, on va également utiliser un add-on qui était autrefois présent de base dans Blender, mais avec la version 4.2 de Blender, il faut télécharger. L'addon de l'extérieur du logiciel et euh, l'importer dans Blender. Donc pour cela on va devoir se rendre sur le site de Blender extension.blender.org et ensuite dans la barre de recherche ici on va taper Loop Tools et là on va télécharger cet addon ici. Donc là ici moi je vais cliquer sur Loop Tools et ici en bas je vais cliquer sur Get Addon. Une fois que je fais cela je vais pouvoir ici télécharger mon add-on. On peut également faire un groupe, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Donc là ici on va cliquer sur Download pour télécharger l'addon. Alors moi je l'ai déjà fait, donc je vais tout simplement retourner dans Blender ici. On va tout simplement aller ici au niveau de addon cliquer ici, cliquer sur Install from disk. On va aller dans notre dossier de téléchargement et là on va tout simplement cliquer sur notre addon ici Loop Tools. Une fois qu'on va cliquer dessus, il sera déjà couché ici et il sera déjà prêt à l'utilisation. Une fois ceci fait, on va tout simplement refermer notre fenêtre ici. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur notre mascotte. Dans un premier temps, on va importer une image de référence. L'image de référence qui nous servira à faire la forme générale de notre mascotte, c'est-à-dire ici la première image de référence. Pour ce faire, pour ne pas qu'il y ait de confusion entre le cube ici et l'image de référence que l'on va importer de suite, on va tout simplement euh, venir ici et on va cacher ici notre cube. A présent on va appuyer sur la touche 1 pour aller sur la face et on fera ici un shift A afin d'aller ici au niveau des imports et importer notre image de référence. Donc ici on va tout simplement aller ici sur image et ensuite référence. Et ensuite, vous allez tout simplement euh, aller dans le répertoire où se trouve la première image de référence. Une fois notre image de référence ici importée, on va la sélectionner ici. On va zoomer. On va aller au niveau des paramètres des images de référence importées dans la viewport ici. Et on va cliquer sur Opacity afin de diminuer son opacité. Parce qu'après, on va devoir... En sorte que notre cube puisse coïncider avec la forme générale de notre image de référence ici, de notre petite mascotte. Et donc vous allez voir que, avec l'image de référence et le cube, il risque d'avoir des difficultés de bien visualiser les différents vertices du cube. Donc raison pour laquelle ici il est important de diminuer l'opacité de l'image de référence. Donc on va aller ici, on clique sur notre image de référence, on clique sur Opacity et là on va diminuer cette valeur. Super. Une fois cela fait, maintenant on va pouvoir faire revenir ici notre cube qui était caché ici. On clique là, pour le fait revenir. Maintenant on va sélectionner notre cube ici. On va aller dans les modifieurs. On va cliquer sur add. Et on va cliquer sur générer. Ici on va générer une subdivision de surface afin que notre cube soit beaucoup plus arrondi comme ceci. On va mettre le lever du portail à 2. Et ensuite on va appliquer ici. OK? Maintenant on va pouvoir aller en Edit mode pour éditer ici nos cubes afin qu'il puisse prendre la forme générale de notre mascotte. Donc pour aller en engine mode, on fait ici un tab comme ceci et on fait un scale. Si j'oublie de donner le nom de raccourci des raccourcis classiques, n'oubliez pas que ce sera visible ici en bas. Ensuite, là, je vais sélectionner l'outil de déplacement et je vais tout simplement ici déplacer mon cube comme ceci vers le haut et je vais faire un scale pour monter l'échelle. Je vais redescendre un tout petit peu ici en bas et là, je fais encore un scale avec un shift enfoncé pour ne pas euh, dépasser les contours ici de notre petit personnage. Une fois ceci fait, maintenant, je vais aller ici en wireframe. Faire en sorte que lorsque je vais sélectionner un vertice, je puisse également sélectionner le vertice qui sera derrière celui-ci. C'est-à-dire, par exemple, ici en faisant ici un select, je sélectionne à la fois le vertice du devant et le vertice qui se retrouve ici derrière. Donc là, je vais revenir sur ma vue de face avec l'orque aussi 1 et je vais faire ici un select. Je vais activer ici le proportional editing qui me permettra de pouvoir également influencer les vertices qui sont au bord du, des vertices qu'on a sélectionnés ici en haut. Donc là je fais ici un GZ et je déplace comme ça vers le haut. Donc n'oubliez pas l'objectif principal de cette manœuvre est de pouvoir ici faire les contours général de notre mascotte. En raison pour laquelle ici le Proportional Editing c'est un outil super pour le faire. Donc là on va déplacer vers le haut comme ceci, c'est bien. Maintenant, on va également pouvoir ici faire ressortir les bras de notre personnage. Donc, pour faire ressortir ces bras ici, on va tout simplement ici sélectionner les vertices qui se retrouvent dans cette zone ici. Donc pour ce faire, on va tout simplement ici faire un style pour la sélection multiple et on va sélectionner les vertices qui se retrouvent ici jusqu'à celui-ci. Là, si on revient en vue solide vous voyez qu'ici on a euh, une sélection des éléments qui sont ici. On va revenir ici sur une vue de face et on va escuder comme ceci et on va scaler. Avant de scaler, on peut déjà désactiver le proportional existing. Ça nous a bien aidé, mais c'est pour cette partie ici. Euh, on en a pas besoin. Donc là, on fait ici, on fait un Z. Pour repartir ici en mode de fil de fer et on va scaler. On fait un G pour déplacer de manière générale comme ceci. Comme ça. OK. Et on va continuer nos opérations d'extrusion. ici, on fait un E pour extruder. On fait un G pour déplacer. Donc, ici, je vais continuer à extruder. À faire un G avec le raccourci de déplacement. Et à faire un S pour le scale. Je peux m'arrêter ici comme ça. C'est plutôt pas mal. Et là, je peux faire un CTRL R. Ok, super. Donc là, je viens de faire ceci, mais déjà, on se rend compte qu'il y a un problème. Le problème est que ce n'est pas tout à fait lisse et droit et régulier ici. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau du positionnement des vertices qui se retrouvent au niveau des bras de notre petit personnage. Et donc, pour corriger cela, on va utiliser le Smooth Vertice qui Est un paramètre qui nous permet de pouvoir faire en sorte que les vertices puissent être à la même hauteur, euh, ça puisse être beaucoup plus régulier de manière générale sur la surface de nos objets. C'est un peu comme si on disait on lisse les vertices pour que ce soit beaucoup plus nice. Ok, donc pour ce faire, on va tout simplement ici euh, sélectionner l'ensemble des vertices des bras ici. Donc, pour faire ça, je peux tout simplement faire ici un alt clic droit pour sélectionner une loupe de vertices comme ceci. Et c'est alors un CTRL plus, comme ça. Vous voyez qu'en faisant cette opération, j'ai réussi à sélectionner l'ensemble des vertices qui se retrouvent au, au niveau des bras de notre personnage. Ok Super. Donc là, maintenant, ici, on fera ici un W. Dans ce menu ici, on cherchera Smooth Vertices, comme ça. On pourra faire cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que nos vertices seront super lisses. Et si on fait W de nouveau, smooth vertice, W smooth vertice, on peut faire ça plusieurs fois. Et encore comme ça. Vous voyez que là maintenant, si on regarde d'une manière générale, ici on a les bras de notre personnage euh, qui se retrouvent beaucoup plus nice que précédemment. Mais en smoothant, on a également réduit le volume des bras. Mais ce qui est bien dans Blender, c'est qu'avec l'outil de Proportional Editing, on pourra faire en sorte que ça soit comme avant. Donc là, je vais tout simplement repartir en Edit Mode ici, repartir en Wireframe, activer mon Proportional Editing ici, soit en venant ici, soit raccourci haut. Donc je vais maintenant ici faire un style pour ma sélection. Et je vais faire un G. Je vais utiliser... La molette de la souris peut augmenter les proportions de mon Proportional Editing. Et je vais maintenant ici sur un S pour le scale pour augmenter le volume des bras de notre petite mascotte. Ici si enfin, j'ai comme ça. Et l'avantage avec ça, c'est que ça me permet de pouvoir conserver ici euh, le smooth qu'on a, ré... qu a précédemment réalisé. Là, je fais un tab. Ici, je viens là, je fais un C comme ça et je fais un G. Et là, je fais en sorte que ça corresponde encore mieux à mon image de référence. Super. Donc là, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus nice. Ici, au niveau de ses bras, si on regarde notre image de référence, la seconde image de référence, on va se rendre compte que c'est quand même un tout petit peu pointu ici. Donc. Euh, pour faire cet effet ici au niveau des bras de notre perso on va tout simplement avec le proportional editing activé sur la vue de profil avec le rock s'y croix on va juste faire un petit s sur l'axe des y comme ça un tout petit pas comme ça là mais non ça sera beaucoup plus nice super on peut également déjà commencer ici avec son petit chapeau au niveau de sa tête ici. On va dire que ce sont ses cheveux. Ok. Donc pour faire ses cheveux, on va tout simplement utiliser le même procédé qu'on a fait précédemment ici. C'est-à-dire qu'on va aller en edit mode avec ici en Z. Ici on va faire là un, une désactivation du proportional editing. Ici on va faire un B pour le box select. Comme ça on pourra sélectionner ici les vertices qui se retrouvent ici en haut. Ok. Maintenant, on va aller sur la vue de profil et on va extruder comme ça. On va faire ici un G et on va faire ici une rotation. On va encore extruder. On va faire ici un G. On va faire ici une rotation. Là, je vais revenir sur ma vue de face et là, nous allons mettre la subdivision de surface sur notre modèle ici. Là, c'est bien de travailler avec le mode sans subdivision, subdivision de surface. Mais le problème, c'est qu'il faut également visualiser à quoi va ressembler nos modèles 3D par la suite. Donc, raison pour laquelle c'est important ici, déjà dans cette phase de modélisation, ajouter le modifier subdiviser les surface, sinon que personnage. Donc, pour ça, on part ici dans Add, dans Generate, et on va générer de la subdivision de surface, comme ça. Et là maintenant on voit un tout petit peu à quoi va ressembler notre personnage lorsqu'il aura ses cheveux. <laughs> OK? Donc là on va refaire ici un tab pour aller en in mode. On va aller sur la vue de profil comme ceci. Et on va aller en frame. Et là on va pouvoir ici sélectionner ces vertices qui sont positionnés assez bizarres. Dans l'op refaire ici en Z. Et là on fait un C. Et là on fait un G pour placer correctement ces artistes. On va pouvoir également cliquer ici afin que les vertices collent sur les faces et comme ça on pourra mieux voir les vertices à déplacer. Vous voyez qu'il là, si je décoche là, c'était un tout petit peu bizarre à visualiser les vertices. Mais lorsque je vais recocher ici, là maintenant c'est beaucoup plus facile à les visualiser. Donc là je vais aller ici sur ma vidéo profil et faire ici un G. Comme ça. Là, je pourrais déplacer comme ceci. Et là, c'est beaucoup plus facile à manipuler. On va de nouveau regarder notre image de référence ici et voir comment est-ce que ses cheveux sont positionnés au niveau de sa tête. Donc là, on voit que par rapport à ce que nous, on vient de modéliser ici, on n'a pas suffisamment mis de cheveux devant sa tête. Donc là, on va tout simplement ici faire un CTRL-Tab pour aller à mode de sélection de face comme ça. Avec un Shift maintenu, on pourra rajouter des faces à notre sélection. Une fois que c'est fait, on va de nouveau ici faire une extrusion, faire ici un G et faire ici une rotation, comme ça. Et faire ici un S pour scaler. Là, on pourra également faire un autre S pour le scale. Super. Donc, on va juste corriger ici afin que ce soit beaucoup plus collé au niveau de son front. Donc pour faire ça, on va tout simplement faire ici un CTRL-Tab pour aller en mode de sélection ici des vertices, faire un Z pour aller en mode Wireframe pour voir à travers les faces. Ici, on pourra déplacer nos vertices ici. On peut faire des C avec des sélections et les faire ici en LG. Là, ici, on va faire un C. On va faire ici en LG. Ce vertice, on va le placer un peu plus en bas. Celui-ci. On fait ici un C. Vous sélectionnez également ceux qui sont derrière. Et là, on fait un G. Là, on part sur nos revues de face. On regarde à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. On va juste corriger ici les défauts de positionnement des vertices. Donc là, on peut faire ça. Et faire un déplacement comme ça. On part sur nos revues ici. De profil ici on fait un c et on fait un g comme ça ici derrière ici on va tout simplement déplacer ça un tout petit peu en arrière pour avoir une meilleure forme arrondie ici maintenant lorsqu'on repart sur la vite face comme ça ici on peut mettre à deux ça ne rush pas on peut également faire ici un W puis un Shift que ce soit beaucoup plus. Bon, je disais que lorsqu'on repart ici en mode solide, on voit qu'on a bien ici réalisé les cheveux du personnage. Juste que si on regarde par rapport à notre image de référence, c'est beaucoup trop. Donc, pour corriger cela, on va tout simplement utiliser le Proportional Editing pour ramener ici les proportions de nos euh, cubes. Au Niveau des proportions de la mascotte, pour ce faire, on va tout simplement faire ici un tab pour aller en edit mode. On va sélectionner ici les vertices qui se retrouvent ici en haut. On va activer le proportion editing et on va tout simplement ici abaisser ça comme ça. On va faire ici un petit scale ici au niveau de cette zone. On va tout simplement faire ici des G. Pour le déplacer comme ça ici également on va faire une sélection et on va faire ici un g comme ça Alors on revient dans les proportions de notre image de référence voilà. ici on fait un g ici également on va faire ici un c pour la sélection multiple ici on fait un c ok alors une fois que cela est fait, maintenant on va pouvoir ici ajouter le modifier miroir sur notre modèle. Donc pour ça, on va tout simplement dans un premier temps ici couper notre personnage en deux. Donc là, on fait un alt clic droit ici, et on fait un V. Là, on le coupe en deux. Comme ça, la partie ici, on va la supprimer. Maintenant, on va créer son miroir grâce au modifier miroir. Ils ont pour laquelle on part ici dans add. On va Aller dans les Generate et on va cliquer sur le Mirror. On va le placer ici au-dessus de la subdivision de la surface, comme ça. Et on va cocher le clipping afin que les artistes se collent au niveau de l'axe de symétrie. On va tout simplement repartir ici en Edit Mode. On fera ici un Alt Clic droit et on va les coller comme ça. Là, on peut désarticuler le Proportional Editing avant de les coller. Super. Donc là maintenant, lorsqu'on regarde notre personnage en wireframe, ça correspond plus ou moins à notre image de référence. Ça ne peut pas être parfait, mais le plus important c'est de se rapprocher le plus possible de l'image de référence. On regarde notre image de référence, on regarde ce que nous on vient de modéliser, et je crois que c'est plutôt pas mal. Ceci va marquer la fin de cette première vidéo consacrée à la modélisation de la forme générale de nos mascottes DJO 2024. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer avec la modélisation de nos petites mascottes. Ciao